Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ce sera le bilan de l'année 2015. Donc en gros je vais vous parler des livres que j'ai lus, des coups de cœur et pour cette année en fait, l'année 2016. Petite résolution entre guillemets, ouais, mais bon, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai lu en 2015 exactement 200 livres sur mon challenge Goodreads. Donc j'étais juste mais hyper surprise qu'en fait j'avais mis au début de l'année 2015 que j'allais lire que 100 livres et je l'ai complètement dépassé, j'ai lu 200 livres, donc c'est waouh. Il faut dire aussi que j'ai lu beaucoup de mangas cette année, donc c'est pour ça aussi que le challenge, j'ai réussi à lire au moins 200 livres, mais c'est quand même énorme je trouve. J'étais vraiment très contente. Donc en gros je peux acheter beaucoup de livres, mais si j'arrive en même temps à baisser ma palle, bon, ça va. Donc voilà, ensuite nous allons passer au coup de cœur. Donc cette année j'ai eu que 7 coups de cœur. Je trouve que pour cette année 2015 il n'y a pas eu vraiment énormément de livres découvertes ou coups de cœur. Enfin j'ai trouvé que c'était pas une très bonne année 2015 où il y a vraiment eu des livres mais complètement super. Aussi il faut dire que je me suis dit voilà, pour qu'un livre soit coup de cœur, il faut que tu te souviennes de cette histoire, il faut que je puisse le lire quelques années après et que je sais que voilà je vais toujours adorer. Donc j'ai mis un peu la barre haute, j'ai beaucoup mis comme note des 3 et des 4 parce qu'il y a des livres que j'ai complètement adoré mais qui pour moi je sais que je les adore mais je vais pas peut-être des années après je vais pas me souvenir ou je vais pas avoir le je vais pas vouloir le relire en fait. Et donc voilà pourquoi j'ai été un petit peu sévère par rapport à mes notes. Donc voilà, donc les coups de cœur donc de 2015. Donc nous avons le tome 10 de Psy Changeling que j'ai aimé. Voilà, là on est passé à un autre niveau et je l'adore toujours autant cette série. C'est ma série, mes chouchous de chez chouchou pour la romance paranormale. C'est vrai qu'il y a énormément de tomes, hein, n'est-ce pas, 12 tomes pour l'instant et moi j'adore trop. Et toujours dans les coups de cœur, le tome 12 de Psy Changeling. Qui là, là clairement on est à un autre niveau, là on passait à un niveau supérieur mais là, là on passe à un autre truc, puissance 1000, c'est l'univers est complètement incroyable et voilà, donc complètement adoré. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Ensuite j'ai eu un coup de cœur pour Hopeless de Colleen Hoover, donc franchement c'était magnifique, je m'attendais pas du tout à cette histoire en fait, à ce genre d'histoire, et comme je le dis toujours et tout le temps, c'est Colleen Hoover qui nous surprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, je l'ai adoré, donc celui-là je l'ai lu en VO et si vous pouvez le lire, il est sorti en français, lisez-le parce que c'est vraiment une très très belle découverte, Colleen Hoover. Ensuite j'ai mis un énorme, énorme coup de cœur, je ne m'attendais pas du tout à ça, pour Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Je ne m'attendais pas à aimer ce livre d'amour, d'amour, d'amour. Je ne m'attendais pas du tout à aimer ce livre. Voilà, j'ai vu des avis, ça ne me donnait pas trop envie, et voilà, ce livre, même le speech au début ne me disait pas, et je me le suis acheté comme ça, je l'ai lu, et j'ai mais c'est je sais pas, ça c'est vraiment là, c'est coup de cœur de chez coup de cœur, et tellement c'est coup de cœur parce que ça en fait je l'ai lu ce livre en français et tellement j'ai complètement adoré et j'arrêtais pas de penser à ce livre, mais clairement je n'arrêtais pas de penser à ce livre que je me suis acheté la version collector qui est un peu plus chère avec les illustrations là comme ça. Voilà, franchement, j'ai tellement aimé ce livre qu'il me fallait le livre en VO, quoi. C'est... Voilà, c'est... Même quand j'y repense encore cette histoire, je sais pas
ça me touche mais énormément, donc j'ai complètement adoré. Ensuite, mais bien sûr, mais il fallait que je vous le mette dans mes coups de cœur, bien sûr. The Book of Ivy, le tome 1, en ce début d'année, mais qui a été un coup de cœur puissance 1000. Le tome 2, voilà, moi voilà, franchement, je suis juste mais hyper contente de l'avoir lu. C'était un hasard tout à fait. C'est vraiment un hasard que j'ai acheté ce livre. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. J'avais adoré la couverture. Je me suis pris comme ça d'un coup de tête. Je sais pas pourquoi aussi, je me suis dit, vas-y, je vais le lire. Deux jours après avoir l'acheté, je l'ai lu. Et je l'ai lu peut-être en deux jours, ce livre. Et voilà, je l'ai dévoré. La même chose pour ce livre. C'est vraiment super, super. J'adore les personnages. Voilà. Ça, je sais que c'est vraiment une série, mais... Moi, je l'adore, et je pourrais le relire l'année prochaine, en 2017 par exemple, parce que franchement, ces personnages sont vraiment excellents, je trouve. Et ensuite, j'ai eu, là c'était vraiment l'une, donc je crois que c'était la deuxième lecture que j'avais lue en 2015, et c'était Mathias, et coup de cœur pour ce livre, mais... La plume de Lily M est magnifique, est incroyable. Ça parle de recherche d'identité, d'ouverture d'esprit. Donc c'est une romance MM, enfin une romance gay et tout. Mais la façon dont cet auteur écrit, décrit les sentiments, etc. C'est vraiment très très beau. Donc le deuxième tome, je l'avais lu aussi, j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, ça n'avait pas été un coup de cœur, mais celui-ci, c'était révélation, quoi. J'ai adoré ce livre. Vraiment une très très bonne auteure, et voilà, très très bien. Donc voilà. Donc ensuite, pour 2016, je me suis mis comme challenge Goodreads à lire 150 livres. Donc je me suis mis 150 livres, voilà. 50 livres de plus par rapport à 2015. Et si j'arrive à le dépasser comme en 2015, ce serait cool, mais j'ai mis 150 livres, parce qu'on sait jamais, voilà, je mets ça, et peut-être que la vie est faite de haut et de bas, voilà, on sait jamais. Donc je compte lire 150 livres en 2016, donc à voir. Et aussi, petite résolution de moi à moi, voilà, j'arrête d'acheter des livres, j'en achète trop, je me culpabilise et tout, voilà. Non, là, franchement, je me fais plaisir, c'est ma passion, j'ai envie d'acheter des livres, je les achète. Voilà, franchement, c'est... Voilà, je me suis dit, ouais, j'ai comme une palle, il n'y a pas énorme, il y en a beaucoup, mais par rapport à d'autres, je trouve que c'est pas énorme. Et je me suis dit, bon, il faudrait quand même que j'achète un peu moins de livres. Et puis je me suis repris, j'ai dit, pourquoi il faudrait que je m'achète moins de livres si c'est mon plaisir? Et voilà, plein de trucs comme ça. Donc, hein, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, voilà. Donc aussi, je voulais vous demander si vous vouliez voir d'autres vidéos, quel genre de vidéos. Voilà, s'il y a d'autres choses que vous voulez voir, vous voulez que je parle, etc. Donc, dites-moi tout ça. Et puis, je ferai avec mes vraiment grand plaisir à faire ce vidéo. Pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne année 2016, plein de découvertes livresques et surtout le plaisir, le partage de notre magnifique passion, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bye!